Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre thématique « Il jugera le monde selon sa justice ». Cette semaine, on s'intéresse au dernier livre de l'Ancien Testament ainsi qu'au dernier prophète canonique de l'Ancien Testament, j'ai nommé Malachie. Alors, je vous propose pour commencer quelques mots d'introduction sur Malachie avant de faire un focus sur le chapitre 3 de ce livre et enfin de conclure sur ce que Malachie a à nous dire aujourd'hui. Alors, tout d'abord, le nom Malachie signifie messager, mon messager plus précisément. Le prophète Malachie aurait vécu environ 100 ans après le retour de l'exil babylonien. Il s'adresse ici à des personnes qui vivaient à Jérusalem depuis un certain moment. Et on sait également que le temple est reconstruit depuis un certain temps. Mais malheureusement, les choses ne se passent pas très bien au sein du peuple d'Israël. En effet, si vous vous rappelez les histoires d'Esdras et de Néhémie, les Israélites, fraîchement rentrés d'exil, sont vraiment remplis d'espoir. Ils sont rentrés pour reconstruire leur vie et également reconstruire le temple. Ils vivent dans la foi et l'espérance que toutes les promesses des prophètes vont s'accomplir. Et en particulier la promesse que le Messie viendrait pour établir le royaume de Dieu sur un Israël qui serait unifié et qu'il instaurerait la paix et la justice pour tous. Malheureusement, les Israélites qui ont repeuplé la ville de Jérusalem ont été aussi infidèles à Dieu que l'étaient leurs ancêtres. Cette infidélité a alors mené à l'injustice et à la pauvreté au sein du peuple d'Israël. Au travers livre de Malachie, on découvre le degré de corruption de cette nouvelle génération. Le livre est constitué d'une succession de 6 oracles qui s'apparentent à des discours ou à des débats. Chaque discussion va s'ouvrir sur une affirmation de Dieu qui fait un constat ou une accusation au peuple d'Israël. Puis, Israël va exprimer son désaccord et Dieu va lui répondre en fournissant des preuves. Dans le premier oracle, Dieu affirme qu'il aime son peuple avec qui il a fait alliance malgré ses imperfections. En effet, il rappelle sa fidélité à ce peuple en mentionnant qu'il a choisi Jacob au lieu de son frère Ésaü et sa descendance, la descendance d'Ésaü, le peuple d'Édom, qui a fini, rappelez-vous, par être anéanti. Je vous renvoie aux histoires donc, de Genèse 25-27 et du livre d'Abias. Dans le deuxième oracle, Dieu accuse son peuple de profaner et de souiller le temple en présentant des offrandes indignes à l'Éternel. L'Éternel interpelle les prêtres également sur le culte méprisant qu'ils rendent à Dieu. En effet, au lieu d'édifier le peuple, il le pousse à faire le mal en leur donnant un mauvais enseignement et également un mauvais exemple. Dans le troisième oracle, l'Éternel condamne les mariages entre les hommes judéens et les femmes païennes. Il condamne également les divorces qui sont devenus monnaie courante à cette époque et qui ne choquent personne. Tous ces comportements sont des manquements graves au respect de la loi mosaïque et donc de l'alliance conclue entre le peuple d'Israël et l'Éternel. Dans le quatrième oracle, les Israélites accusent Dieu de négligence. Ils voient l'injustice et la corruption prospérer et Dieu rester inactif face à ce fléau. Dieu répond qu'il enverra un messager pour aplanir la route devant lui avant son retour effectif au jour du Seigneur et qu'il enverra son feu pour purifier son peuple afin qu'il puisse le servir fidèlement. L'Éternel affirme également qu'il récompensera ceux qui lui ont été fidèles et que justice sera faite envers les méchants. Dans l'oracle suivant, Dieu invite alors son peuple à revenir à lui et il pointe du doigt la négligence des Israélites envers le respect de la dîme et des offrandes. Une nouvelle faute grave car, comme nous le dit le texte, elle équivaut à voler ou tromper Dieu. Dans le dernier oracle, le peuple accuse Dieu en disant qu'il est inutile de le servir car il n'y a pas grand-chose à gagner à lui obéir au final. Car ceux qui lui désobéissent prospèrent contrairement à ceux qui lui obéissent. Donc comme vous pouvez le voir, la relation entre Dieu et son peuple n'est clairement pas au beau fixe. À cette époque et dans les propos que nous rapporte Malachie. Je vous propose maintenant de nous focaliser sur le chapitre 3 du livre de Malachie, versets 22 à 24. Verset 22 nous dit ceci,
Rappelez-vous la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit en Horeb des ordonnances et des lois pour tout le peuple d'Israël. L'exhortation, rappelez-vous, est une menace du type coup de canon. Vous voyez, le verbe qui est employé signifie à la fois faites bien attention, prenez au sérieux et observez, mais mettez en pratique. Voilà ce que je vous dis. Donc, on peut noter qu'il revient 14 fois dans le Deutéronome, un livre qui répète les ordonnances de la loi à la seconde génération d'Hébreux sortis d'Égypte. Et donc, la loi que l'Éternel a donnée à son peuple devait les préserver de tout malheur, lui procurer normalement l'abondance et de multiples bienfaits. Mais comme le peuple d'Israël ne l'a presque jamais respecté, il a dû subir les conséquences de sa rébellion constante. Ici, Malachi va repositionner les Juifs devant leur responsabilité face à la loi, jusqu'à ce que l'Éternel vienne en personne. Selon qu'ils obéiront fidèlement aux ordonnances de la loi ou qu'ils les violeront à nouveau, la venue du Messie sera pour eux, comme nous dit le texte, un soleil au rayon bienfaisant ou un feu ardent qui viendra consumer les rebelles. La balle est dans leur camp. Verset suivant. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. L'identité de cet Élie a longtemps fait débat, car la Bible nous parle du prophète Élie dans le premier livre des rois, au chapitre 17 à 21. Ce prophète exerce son ministère sous le règne du roi Akab et sa femme Jézabel, qui fera tout pour imposer le culte de Baal dans les royaumes des tribus du nord. Malachi annonce ici qu'avant l'arrivée du jour de l'Éternel, Élie viendra. Alors, il faut comprendre qu'il s'agit ici d'un nouvel Élie, un prophète qui aura un ministère comparable à celui donc d'Élie du temps d'Akab. Le verset 1 du chapitre 3 de Malachi mentionne un messager qui est probablement ce nouvel Élie. Jésus va déclarer par la suite cette prophétie réalisée donc dans la venue de Jean-Baptiste en Matthieu 11, les versets 13 à 14. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie, qui devait venir. Mais il confirmera cette prophétie aussi en Matthieu 17, les versets 10 à 13, et en Marc 9, les versets 11 à 13. D'autre part, Luc, chapitre 1, verset 17, nous dira que Jean-Baptiste accomplira son ministère avec l'esprit et la puissance qui résident en Élie. L'exemple d'Élie est aussi repris dans l'Apocalypse, chapitre 11, les versets 4 à 6, où l'un des deux témoins a le caractère d'Élie et l'autre celui de Moïse. En effet, nous pouvons lire sur ces deux témoins au verset 6, « Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. » Le dernier verset du chapitre 3 de Malachi nous dit ceci. « Il tournera le cœur des pères vers leurs fils et des fils vers leurs pères, de peur que je vienne pour frapper le pays et me le vouer tout entier. » Le ministère du nouvel Élie consistera à prêcher la repentance au peuple juif afin qu'il revienne à l'Éternel et que les relations ordonnées de Dieu soient rétablies en Israël. L'Éternel, enfin, menace Israël de destruction s'il ne se repent pas. La première promesse que Dieu fait à Israël a été lui donner le pays de Canaan. Et la dernière menace qu'on voit ici est de le lui enlever au final. Et c'est avec cette menace que le Dieu de l'Alliance va laisser son ancien peuple dans un silence qui va durer environ 4 siècles et demi. Afin qu'il médite sur les révélations qu'il a reçues. En définitive, le livre de Malachi est très concret. Le prophète ici aborde des problèmes qui nous parlent encore aujourd'hui et qui nous invitent à sérieusement faire le point. Où en sommes-nous dans notre relation avec Dieu? Quel genre de culte rendons-nous à Dieu au quotidien? Et dans quelle mesure est-ce que nous murmurons contre Dieu? Dans quelle disposition
Également, est-ce que nous attendons le retour de notre Seigneur? Ce livre parle à nos cœurs et à nos consciences. Il nous rappelle que nous devons vivre dans la crainte de Dieu et surtout dans la certitude d'un jugement à venir et également de la grâce offerte par Dieu à ceux qui acceptent de se repentir en s'humiliant devant lui. Frères et sœurs, je vous souhaite un bon échange et de bonnes discussions autour de ce livre si riche. Puisse-t-il nous questionner les uns et les autres sur qui nous sommes face à notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis.